ce cas de famille Bastien. Nous connaissons qui est en deuil depuis la mort ingénieur Yves Romain Bastien et qui mourit à l'âge 65 ans, en date 20 septembre, qui s'est passé là dans le pays, la France. Et après-midi à partir 5 heures, famille a recevoir condoléances dans l'hôtel Royal Oasis dans Pétionville. Sorti 5 heures pour arriver 8 heures à souhait, à salutation. Et puis, funérailles là, l'a chanté demain matin dans l'église Sainte-Thérèse Pétionville à partir 8 heures dans matin. Une autre fois encore, nous présenter condoléances nous, by famille Bastien et à quand tout allié by compagnie, madame Marie-Joy Salomon, by madame Carline Echout, et by toute petite, toute famille et tout allié qui affligé en bas de disparition. Ça, et toutes amis et ingénieur Yves Bastien, et c'est dans nom, moi-même, dans nom Marvel, dans nom toute équipe Radio Kiskeya, nous renouveler condoléances, nous encore, et vraiment en pile chagrin concernant disparition Yves. Et puis, c'est après-midi à tous, c'est dans l'hôtel Caribé, famille Nord 1000, et à recevoir condoléances concernant disparition tragique, papa, famille Nord 1000, pas les papa et directeur général police dans Ramon Nord 1000, et directeur agent et exécutif dans tête commune dans Pétionville, monsieur Kestner Nord 1000, et monsieur Ribel Nord 1000, papa, il a 82 ans. Et la police t'a ouvert enquête, je dis c'est un crime, un assassinat, puisque je n'ai dans réservoir la Kaili et réservoir t'est bouché alors que le bâton qu'on emmène pour le marché avec chapeau t'est resté en dedans Kaili. Et enterrement a chanté demain matin à partir 9h dans Fermat côté famille, c'est là yo sorti et dans l'église Baptiste Wallace. Une autre fois encore nous renouveler condoléances nous by famille Nord 1000, by directeur général police Nord et monsieur Nord 1000 Rameau que nous-mêmes dans Radio Kiskeya nous pratiquons, nous connaît et dans nom Marvel, dans nom moi-même et avec toute équipe là et nous renouveler condoléances nous by famille ak allié et famille Nord 1000. On a vini ak actualité a matin c'était gros saisissement. Bien que gen en pile voix depuis quelque temps qui a parlé dans son sens, parce que ça dou parole lan li gen un poids chaque ça dit sou pa parler wa chap parler nan place ou et ça la bible dit ça veut dire responsabilité nous-mêmes parmi tout ça qui sous la terre c'est nous-mêmes qui gen droit qui gagnent et privilège ça pour nous parler pour gen son et qui exprime dans bouche nous l'autre dans règne animal là l'autre yo exprimer tout mais nous même seuls qui articuler gens que nous fait là donc nous avons responsabilité et parole là c'est une puissance liée et là que on qui ça pour faire avec et li capable transformer mais tout parole là tout capable faire catastrophe capable faire désastre là que ou servir avec de façon irresponsable là que ou pas montrer que ou comprendre complexité situation yo observer avec son âme redoutable lié et les que tout gain délai ou bay moun de l'idée pour faire des mauvais bagages contre propre tête ou contre propre pays et alors que yo dit chemin bouton chemin maling et là ou petit bouton paraît immédiatement ou tout toy lou fin avec ça pas quitter le vin font java et bien yo quitter ça a fait java et puis a bay une série de explications pas chita sou rien en pile fois ni au point de vue anthropologique ni au point de vue sociologique ni historique dans ça qui concerne les peuples haïtiens pour justifier l'injustifiable et par rapport à question gang cap gangrené pays a et qui gain sitirance parce que nous connaît jou que ta gang pouvoir qui là qui pas dans sitirance à gang ou ouais yo pas capable faire ça y a faire c'est parce que yo connaît yo bénéficier de l'impunité pas gain rien qui a privé yo c'est ça fait ouais y a fait ça y a faire bon quelque part faut que on côté appuyer pour yo capable faire ça y a faire et bien journée jodi an bien que faut que nous di gain des paroles qui pas totalement responsable dans classe politique là qui qu'on a parlé dans sens ça question de quartier à proposer à l'autre quartier et bien matin dans commune Pétionville moun pa jam saisi comme ça yo tande gon groupe nèg gang exam et qui force tout moun casser tête tourner dans zone et boudon en haut boudon parce que yo prend zone nan yo metel en bas contrôle
zone Mont Lazare et yo déclaré ces questions revendications gagné pour route et pour électricité comme si tout pays a pas de plonger dans blackout et côté que avec Zamio yo fait connait y a kembe zone ça en bas contrôle et côté tout monde tenant courir grand bonheur matin ça te gain gros impact sur toute commune Pétionville là Delma et tout en haut Port-au-Prince et qui s'est passé exactement pas gain ken communiquer la police ni CSPN n'a pas gain aucun explication nous pas besoin d'attendre ça dans le gouvernement ça agent exécutif intérimaire commune Pétionville là monsieur Kistner Normil dans interview le bail radio Kiskeya montré le pas quoi et ces revendications groupe citoyen ça yo gagné qui fait faire zak yo fait matin dans la commune n'a pas tendre qui t'a répondre question qu'est-ce Jean-Pierre Tello grand chose qui a passé là Mont Lazare c'est une population qui revendique grand bout de route qui crasé OK c'est fait bien un bout de route pour et ministre t'a fini travail ministre Angèle pour pour gagner moyen la main pour des cabinel qui revendique population revendique c'est ça fait un problème là mais je ne peux pas avec eux venu là me remettre situation après c'est tout gagner quelque chose mais sur revendication qui sorti dans la ville parce que sur revendication armée c'est pas nous tenter nous pas tenter pour pas une faire panca nous pour insister c'est balle c'est pas plus ça parce que revendication encore c'est un sorte de violence de la rapide magistrat. Bon, elle est venue, elle a dit que c'était une violence parce que moi-même, je ne suis pas un négro, mais elle est venue. Et puis, elle dit tout autant qu'il n'y a pas une solution et là, elle a beaucoup débloqué. Bon, c'est qui est venu, il y a un magistrat de placer en personne, il y a un magistrat qui est parlé avec nous. Il dit que c'est le premier citoyen commun. Il dit que je ne peux pas une solution à ça. Après, c'est tout. Après, il y a résolu le problème. Oui, mais nous, étions les policiers sont allés tout après la présence. Oui, parce que la présence magistrat, le problème est résolu. Les policiers sont allés, moi-même, je suis prêt à mettre la situation comme nous. Voilà, agent exécutif intérimaire commune Pétionville là qui t'ai parlé comme ça sur ça qui passé matin, certainement qui pas suffisant comme explication concernant question insécurité, violence et qui vient faire partie de vie chaque jour peuple haïtien et dans complaisance, dans indifférence ou bien dans incompétence en pouvoir. Nous connaissons kidnapping nan recommencé dans zone métropolitaine nan et une nan dernier moun été kidnappé c'est docteur Igor Mirto Figaro li jeune libération hier soir gen association médicale haïtienne AMH qui dit li constaté avec deux mains en tête et il regrette tout à toute force li gens que insécurité a laité le blayi et côté gan pile crime qui a fait en pile zak kidnapping zak vandal sous bien privé moun tan coup public et sans garder derrière pour citer ça seulement qui a simen deuil ak désolation dans niveau toute couche dans société haïtienne nan et dans toute région dans pays association médicale haïtienne nan AMH et li bay comme preuve de ça diyan et crime qui fait sous bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince maître Montferrier d'Orval assassinat qui fait tout et sous étudiant l'école normale et supérieure vendredi qui s'est passé là et Grégory ensemble avec dernier zak kidnapping côté de kidnapper un jeune confrère et docteur Igor Mirto et Figaro devant résidence Lacaili lundi et qui s'est passé là AMH association médicale haïtienne dit condamné à toute force li zak violence sa yo qui a passé en bas pied droit qui pipiti que tout moun gen en tant que être humain doit pour vivre vivre dans sécurité vivre pour vivre dans santé et c'est dans contexte ça AMH association médicale haïtienne lance un appel bay autorité qui concerné yo demandé yo pour prendre toute disposition qui nécessaire pour capable renforcer question sécurité la vie moun ak bien moun ensemble à tout non délai qui pas long pour libérer et jeunes médecins et Figaro bon yo la guéri association profiter et pour le faire famille ak proche docteur Figaro connaît tout collègue li yo ak zami et yo appuyer yo supporter yo dans épreuve ça et c'est docteur Jean-Hugues Henry président AMH association médicale haïtienne ak docteur Karine Cléofa secrétaire général AMH qui signe note ça concernant libération docteur Figaro et gagné agent exécutif intérimaire ancien magistrat commune Cafouan Jude Edouard Pierre qui réagit et lui exprimer contentement
après au fin libéré docteur Igor Mirto Figaro bandit exam te kidnappé et dans commencement semaine ça et monsieur Pierre salué engagement et des médecins yo qui te campé pour forcer libération collègue yo docteur Figaro et dans main kidnappé yo dans interview Libye Radio Kiskeya Jodia agent exécutif intérimaire dénoncé zak insécurité qui frappait commune Carrefour pendant semaine ça côté li dit bandit touye inspecteur police Angelo Verrier qui affecté té affecté dans commissariat Omega et puis yo kidnappé docteur Igor Mirto et Figaro devant porte la Kaidin quoi dans Tikini et selon Jude Edouard Pierre commune Carrefour pas jamais fait face à toute zak insécurité ça yo pendant li dit que la police non pas les moyens pour faire travail li tout agent exécutif intérimaire monsieur Jude Edouard Pierre mandé population et collaborer avec la police et puis avec mairie pour yo capable faire face carré à phénomène insécurité ça n'a attendé dans micro Vilner Joseph semaine ça Carrefour nous prendre des coups moi j'ai parlé avec docteur me dit déjà bah toute solidarité mais je suis personnel pas moins bien content gloire à Dieu que docteur a libéré moi souhaite lui que lui reprenne et tout médecin qui était frappé qui était mobilisé devant mairie a fait sitting pour demander support mairie que nous de partager avec eux pour me dire que bon courage pays a difficile mais pas souhaiter que quitter tout le pays du inspecteur de police divisionnaire Angelo chef d'opération jeudi à monsieur Namog en condition que nous connaissons encore une fois si ça nous a fait jeudi à présenter ce bâtiment par commissariat Carrefour tout police dans pays à famille en particulier ce monde qui me très proche qui me connaît et qui ont travail qui pas jamais suspendre travail mais nous demandons pour que vous fassiez fort qu'il fait la sécurité engager davantage les collectifs dans la question collective dans la question sécurité parce que la loi fait de sécurité publique une compétence stratégique merio donc rencontre de sécurité nous essayons d'approprier là et avec commissaire de police là et qui font travail colossal avec juge de paix pour nous renforcer sécurité dans ville là renforcer patrouille même avec honnêtement commissaire Carrefour manque moyen bon même j'ai l'image l'état manque moyen n'a construit actuellement là un commissariat pour la police dans rivière froide avant longtemps nous va inaugurer gain un point n'a mettre sur derrière là avec comme mairie pour nous mettre à la police pour renforcer lui même quand il y a quand deux ou trois motocyclettes pour renforcer patrouille ça parce que Carrefour il pas gain réputation ça mais pendant 22 derniers jours là une situation difficile voilà effectivement donc au moment de la police pour renforcer lui et m'a bail tout à plus possible m'a dédé de la police tatou et pour garder cette café pour renforcer capacité d'opération d'intervention comme ça il y a qu'à froid parce que ce qui est en sécurité à venir même dit que me répéter c'est rôle maire là pour accompagner la police par la communauté là pour bail information si il y a un bagage qui doute pour faciliter que la police intervenir rapidement sans bavure devant la marine haïtienne qui va en blocus extraordinaire. Il fait partie de l'insécurité de Carrefour parce que, au fait, lorsque tu as poursuivi les policiers, les informations viennent de ce que tu as gagné, ou tu as crasé net, il provoquait un ralentissement total qui fait que les policiers étaient jeunes pour être abattus. Donc, dis n'est pas contre la étape faite, qui t'a fait un bavier du Carrefour, pas jamais fini. Hein. Moi, j'espère que directeur Guito, DG Guito va reprendre, va communiquer avec vous, reprendre rapidement. Parce que les zones bisotons n'ont pas bon dit tout. Ils sentent honte comme jeune garçon qui a dit aujourd'hui. Mais il t'a dit ton lien, mais il t'a appris ton lien, mais il t'a route derrière la ligne. Ça va faire honneur pour magistrats, pour citoyens. Voilà, M. Jude Edouard Pierre, nous connaissons qui est président FENAM, Fédération Magistrat Haïtien, mais Banda Magistrat au bout depuis bon zone mois de juin à juillet. Et puis bon kounya la tout moun ki rete nan poste c'est agent exécutif intérimaire yo ye et monsieur Jude Edouard Pierre te fait konnen li pa t'ap rete nan poste sa mais finalement nou el rete puis devant a retande encore sous problème difficulté li gen nan commune nan et nou konnen magistrat Ronnie Colin li même li te remettre charge dans ça qui concerne commune nan bien que yo te fait un jouette malin avec mette non sous liste comme si agent exécutif intérimaire alors que tout le monde connaît magistrat Colin lui remet en toute lui même à toute cartel li a net charge dans ça qui concernait et commune quoi des bouquets mais gouvernement fait comme si te gagnen un agent exécutif intérimaire yo te nommé yo relé Ronnie Colin qui était en tête en mairie quoi des bouquets et on connaît c'est pas vrai n'a retourné puis devant avec Jude Edouard Pierre sous état commune Carrefour mais on vini avec un autre point qui capable ban nous une idée
et de à qui qualité pouvoir nous en a fait. Et là, on a parlé de pouvoir, bon, son seul qui gagnait, et c'est mon seul mon nié, et c'est Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, tout le monde dans le pays, il te met campé, il te met piafé, il te met sauté, il te met fait ça et au vlé, il pas attendé. Mais depuis, yon voix dans l'international là, levé, il y a un koné, mokode, il y a un balien qui dit, il y a un signal, go! Et il y a un autre qui te dit, adelante, adelante, c'est espagnol, go, c'est anglais, bon, c'est go, attendez. Et parce que c'est go qui t'a parlé lundi dans le Conseil de sécurité. Et là, on lit tout, parole mal à gauche qui gagne dans toute intervention qui t'a faite. Même là où tu es capable de dire, peut-être, où tu es joint deux, trois phrases qui t'apparaissent à comprendre la situation de côté la Chine et la Russie, mais yo, tous les deux pour aller sombrer finalement pour venir faire exactement jouer aux États-Unis qui s'est renforcé binu et puis élection qui pour faite. Par exemple, la Chine dit comme ça que c'est le peuple haïtien qui pour prendre responsabilité en main. Oui, c'est normal, tout pays gen auto, doit gain autodétermination, mais c'est pas l'heure que au gain international qui entre même engage en lié là dans situation pays d'Haïti. Haïti c'est pas qu'à sortir pour contre parce que international là trop impliqué. Parce que pas oublier c'est 15 ans ministre sa fait là. Bon, l'organe pour eux, par exemple la Russie, il a tout profité régler avec les États-Unis puisque le gars allié dans zone là défendre. Et qui est ce pays Venezuela. Faut que nous comprenions très bien ce qui a passé dans la diplomatie mondiale là, puisque c'est depuis après pour te fini dans la deuxième guerre mondiale là, toute gros puissance dans la période là, ils ont séparé le monde. Et séparation ça li là jusqu'à présent. T'as gagné ça le monde li blanc, États-Unis t'as dirigé, et puis t'as gagné un monde qui derrière rideau de fer, Union soviétique t'as dirigé. Union soviétique vient craser, États-Unis considéré pendant décennie 90-2000 ans, et système capitaliste a remporté une victoire sans pareil, et je ne veux dire système ça, li en crise système capitaliste. Bien que système alternatif l'entour, li pas arrivé, formalisé et articulé. C'est dans le cas où ça le monde y est. Ça a le tiers monde là, yo vinn bay la dans plusieurs catégories pays émergés, PMA tant qu'au Haïti, yo même tout a fait face à un paquet de crises. En réalité, gen yon paquet pays dirigeant yo, ça qui intéresse yo, c'est en bourgeoisie tête yo au détriment propre population yo et qui vinn laguer population dans des situations difficiles, là que a fait face jounen jodi a ak yon kokenchen épidémie mondiale. Et comme ça, tant que ça a passé depuis le mois de février-mars, qui a détruit pratiquement l'économie mondiale là, et qui mettait toujours une série de secteurs à terre et qui a un impact sur tout le monde parce que tout le pays est lié d'une façon ou bien d'une autre. Et c'est comme ça, ça a passé dans le champ rayonnement la Chine, États-Unis pas prêt à trois fois et pied là-dedans. Ça a passé dans le champ côté que la Russie dominait, États-Unis pas trois fois et pied là-dedans. Et même j'entoure dans zone côté la France dominée en Afrique et même j'entoure côté Grande-Bretagne dominée, il y a pas intervenu là-dedans et pour ça tout et États-Unis, ils même dit champ pali bien que son pays impérialiste qui veut pour dominer le monde, mais il gagne de champ d'action, ça serait les backyard lien tant que vous pays tant que Haïti qui d'aide la Kaili, même si l'autre pays a dit deux mots, même si associé dans résolution qui apprend yo, mais c'est de façon très mou. On pas besoin compter sur yo pour capable et articuler problème très bien, non seulement yo éloigné géographiquement, mentalement, intellectuellement de situation haïtienne et vinn joindre tout nous pas fort nous-mêmes dans surtout secteur démocratique là, secteur qui a goumen pour changement, nous mener une politique d'homme au point de vue diplomatique qui capable rencontrer divers segments dans société ça yo, parce que États-Unis n'est pas gouvernement seulement gagné, gain université aux États-Unis, gain société civile aux États-Unis, gain parlement aux États-Unis, gain plusieurs secteurs était qu'à rencontrer l'église yo, qui est très puissant, et bien pas gain aucune démarche qui fait, donc finalement discours son discours qui enfouaillé et ouais résultat. Donc c'est lui-même Jovenel Moïse interprété comme feu vert et surtout pas américain. L'aile du conseil de négociation, il d'après le prendre cette négociation. C'est conseil électoral li a oui, la poussé bouikli pour pi devant. Et c'est comme ça ouais, bien que oui me a te couri, yo di yo te travail dans bureau et pas occupé, il a gardé si juge pour écraser système judiciaire net là que la cour de cassation t'a accepté pour moun ça vienne passer devant pour venir faire déclaration pour dire venir prêter serment.
Et bien pendant ce temps ça était gétant à concocter tout ça ouais à concocter depuis quelque temps. Qui s'allie jeudi a officiellement il faut qu'on ait que il y a son conseil électoral de droit alors que son conseil électoral anticonstitutionnel illégal qui pas gagne mandat dans un gouvernement qui pas gagne pouvoir pour transmettre aucun pouvoir pour manier constitution pays. Et bien il a annoncé jeudi a non communiqué pour date jeudi 9 octobre. Yo pa peur, pa crainte, yo fait pays avec le monde entier connaît, yo mettez en place un bureau collège électoral. Direction exécutif là et faire public là en général connaît et la presse en particulier, membre conseil électoral provisoire ça a écrit et a été présidentiel dans date 18 septembre nommé et prend décision administrative alors que par mandat pour pipiti prêter serment devant la Cour de cassation qui a engagé devant l'État et pour mettre en place bureau collège électoral. Après une séance qui était faite de façon extraordinaire dans le bureau ça, mais qui j'ai élection parti, conseillère Guirlande et Mesadieu, présidente, conseillère Esperancia César, vice-présidente, Josette Bassignon, secrétaire général, et Guy Roméus, trésorier. Conseil électoral ça, gagné tout paix pour affirmer volonté pour capable faire travail li n'a cité avec dignité alors que c'est dans pas derrière passer pour entrer dans conseil électoral provisoire sans passe pour qui alors que son conseil électoral qui nomme Jovenel Moïse honnêteté de qui ça n'a parlé parce que moyo yo gen valeur et c'est Max Delis qui c'est directeur exécutif là qui signe note de presse ça qui c'est une espèce de provocation et qui a provoqué peuple haïtien. Alors que nous connaît et en pile secteur tes pensées gouvernement ça tape fait bac et bien on l'autre fois encore Jovenel Moïse montre il pas fait bac il pas fait bac et sous code pénal là malgré toute l'église dans pays a été levé camper contre lui donc son seul voix attendez c'est voix internationale là n'a fond premier camper ou besoin pour connexion internet pour la caillou doubt là pas jambe briller ça la caili dans pèlerin 5 dans moment tu entrer la caili pour la dormir. On s'asse au taptoni et quoi les policiers quand ils c'est même mode opératoire avec j'ai été exécuté Jean yo te vinn tan Jean nan travaille dans radio Haïti grand bonheur matin t'a vinn faire journal yo vinn tan mettre mon ferré d'Orval la Kaili a soir bien tard les l'a entré la Kaili même mode opératoire alors c'est yo fait élection journée jeudi a et c'est bâtonnière là qui élu par acclamation puisque pas de l'autre candidat. Et élection de déroulée dans le local Baoa, sous bicentenaire, dans une ambiance côté pas de gagnant, il même dit amical, côté 70 avocats qui étaient là, dit d'accord pour bâtonnier à IA et poursuivre reste mandat et bâtonnier d'Orval. Et commission électorale là, t'as trois membres, et qui c'est secrétaire conseil Lord avocat, M. Robinson Pierre-Louis, M. Jacques-Né Oxylus, qui était ancien candidat. Et pour poste bâtonnier dans la dernière élection, avec Maître Camille Fièvre. Et n'après les déclarations, Maître Jacques-Né Oxylus, avec Maître Camille Fièvre, qui a expliqué la méthode qui a été utilisée pour organiser l'élection jeudi à Nambao, Port-au-Prince. Il a été parlé comme ça dans le micro Vladimir Maurice Ridoy. Comme nous constatons, tout barreau a constaté ça. Jeudi, c'était deuxième convocation suite à convocation vendredi qui n'a pas de gain quorum. D'après sa décret qui régit profession ici, lorsque une convocation en Assemblée générale qui n'a pas réussi pour première, ou pas même besoin de convocation, prochain vendredi ou bien prochain mardi, si le débat est vendredi, c'est l'heure et mardi, n'a pas réuni et laisse ça depuis quantité avocats et avocates qui présentent dépassé le nombre de membres du conseil là de gain. Donc, assemblée impossible. Conseil, pas nous avons 14 membres, nous avons 70, 75 et plus. C'est-à-dire, assemblée a été possible. Maintenant, en ce qui nous concerne nous-mêmes, dans la première assemblée générale, suite à l'assassinat bâtonnier de Montferrier d'Orval, nous avons été proposés à l'assemblée pour permettre au conseil de mettre d'Orval à continuer le mandat. Pour qui ça? Parce que l'été trop bonheur, l'été trop vite, sous 100 bâtonniers, pour nous avoir mené dans l'élection encore, moi-même en particulier, le fait que nous avons fait proposition, ça veut dire que nous avons tout. On n'aime pas candidat, puisque dans la déontologie, nous, avocats sont êtres, sont personnages, sont professionnels qui ont conviction. Pour nous capables d'être dans l'unité, qui est nécessaire pour nous mener le combat, non seulement pour Montferrier d'Orval 26,
justice. Mais pour tout le monde qui est assassiné dans la condition qu'on est aujourd'hui, justice, c'est un combat que Baro a pral mené. C'est un combat que chaque avocat pral mené. Dans ce sens, nous faisons élection en faisant une simple formalité pour permettre de concentrer nos énergies vers l'idéal, vers le but, qui c'est justice pour le bâtonnier, justice pour l'étudiant assassiné récemment, mais justice aussi pour tout le monde, quelle que soit la couche l'appartenant, n'est-ce pas, pour joindre justice avec l'aide que Baro a kabay, avec l'aide que avocat yo kabay, parce que nous c'est les acteurs, n'est-ce pas, du système judiciaire. Le bâtonnier AI, Maître Suzy Legault, vient d'être confirmé dans son poste de bâtonnier, et nous autres, comme vous dites ça, nous épauler ça, et ça doit permettre que nous réaliser l'unité dans la diversité nécessaire pour mener, n'est-ce pas, grand combat que Baro a bien pour le mener, et que le commencer à mener, et que le doit continuer à mener. Conformément à l'article 49 du décret du 29 mars 1979, qui dispose que si le quorum n'est pas obtenu à la première réunion prévue aux deux articles précédents, l'Assemblée générale se réunira le vendredi suivant avec ou sans convocation. Alors, les avocats présents désireront quelqu'un pourvu qu'il soit au moins égal à celui des membres du conseil à élire. Suivant le décret, on ne peut pas avoir d'acclamation. On doit avoir des élections. Pour rester dans la légalité, c'est vrai que vous allez dire que c'est un peu fastidieux, mais nous devons faire ce que la loi prévoit. Voilà, c'était Maître Jacques Ney Auxilius et Maître Camille Fief, deux membres du comité qui a organisé l'élection. Et Maître Gervais Charles et Maître Carlos Hercule, deux anciens bâtonniers, l'ordre avocat Port-au-Prince, qui te présent, dit yo satisfait pour façon avocat yo décidé pour yo et nommer madame Marie Suzy Legault, maître Marie Suzy Legault, et comme bâtonnière et pour faire reste mandat bâtonnier d'Orval yo te exécuté et donc mandat a fini année prochaine. Maître Gervais Charles estimé décision ça c'est un bon exemple pour démocratie. N'attendez deux anciens bâtonniers, M. Gervais Charles et M. Carlos Hercule, toujours dans le micro, Vladimir Maurice Idoy. Ce qui s'est passé est terrible et il y a eu un consensus véritable au sein de l'ordre pour que le mandat de M. Dorval soit continué par un membre du conseil et tous les autres anciens et candidats ont adhéré à ça. Il y a eu une ordre de c'est le moment qui a circulé. Il y a un Auxilius qui, le premier, avait émis l'idée. Et à ce moment-là, je l'avais félicité. Donc, nous passons avec Sébastien Simon, c'est du bureau, aux élections et pour la désignation d'atelier, de la bâtonnière. Et je dois dire que, personnellement, je suis très fier que la future c'est décret qui régit profession d'avocat qui dit que le conseil a retrouvé une situation de vacances, gagner un poste bâtonnier, gagner un bâtonnier ad intérim qui prend fonction, il a un mandat de 30 jours pour lui organiser les élections. Jodi a comme nous connaissons, tes bon vacances qui t'est créé dans tête barreau de Port-au-Prince, dans date 28 août, et bien conseil là te prend plusieurs résolutions et une là-dedans c'était convoqué l'Assemblée générale. Mais suivant décret, le nom première convocation, le nombre qui par la loi, ça veut dire quorum n'a pas atteint, et bien Assemblée a li ajourné automatiquement à vendredi suivant. Jeudi 9 octobre là, c'est vendredi suivant, et bien la donne gagne élection qui fait. Heureusement, nous comprenons que l'Assemblée avocat yo a nécessité pour que yo permette avec bâtonnier ad intérim nan li même li poursuivre ça mettre Dorval te a fait et ça que yo même yo pral faire pour joindre justice nan nom mettre Dorval. Moi personnellement, moi très content de attitude là, moi très content de comportement avocat Caillou, particulièrement avocat qui était candidat dans la dernière élection, qui comprennent aujourd'hui la nécessité de réunir autour de
conseil là pour apporter toute solidarité et permettre avec bâtonnier ad intérim dans l'ivini bâtonnier et cap fait temps qui était dans mandat M. Dorval là ça veut dire en septembre 2021 assemblée générale la pral convoquer pour lui renouveler personnel li pour lui renouveler dirigeant ça veut dire pour lui faire élection pour 14 monde un bâtonnier un secrétaire un trésorier et puis 11 conseillers moi pense que faut nous rendre hommage avec M. Jacques Neoxilus vraiment c'était de manière émotionnelle dans l'assemblée à là il était dit bon il pensait que l'assemblée a dû permettre avec un monde conseil M. Dorval continuer et pense que c'est honneur à lui-même lui inspirer l'autre membre l'autre candidat yo comprendre que c'était normal et puis yo dit c'est plus rationnel que M. Dorval te gagne un bon projet qui était en cours d'exécution au lieu que yo même yo vini si yo vini faut que yo vini avec projet pa yo qui parle en sorte de perturbation yo te comprendre la nécessité pour quitter membre conseil qu'il a choisi une ladder moi pense que tout honneur à vini à lui-même et l'assemblée générale qui a compris la nécessité de rejoindre Metoxilus dans la démarche. Ça. Moi, je pense que c'est très bien et c'est un signe que Barreau de Port-au-Prince sont Barreau qui démocratique et sont Barreau qui toujours par l'exemple n'a fait élection. Ça qui passe aujourd'hui à là, vraiment, son exemple pour respect à suivre comment démocratie fait en dedans d'une organisation professionnelle qui c'est le Barreau de Port-au-Prince. Voilà, c'est deux anciens bâtonniers qui t'a parlé comme ça, mais Gervais Charles et M. Carlos Hercule, dans le micro Vladimir Maurice Ridoré. Nous pas connaissons si je me trompe, mais si je me trompe, pour la première fois, il y a une bâtonnière dans la tête Bao, Port-au-Prince. Eh bien, nouvelle bâtonnière là, c'est M. Marie-Suzy Legros qui remplace, nous connaissons M. Montferré Dorval tragiquement. Qui quitte nous, puisque assassiné, exécuté, je quitte 28 d'Outland, la Kaili. Parmi les gens qui sont en prison, et selon le rapport de CPJ qui transmet dans le cabinet d'instruction, de là-dedans, c'est proche pouvoir être calé, proche palais national. Et donc, nous connaissons, d'après ça, Bâtonnier l'a dit, pour continuer le programme, et M. Dorval a commencé à mettre le gros, demander avocat, continuer à accompagner. Avec l'autre membre conseil là pour permettre de capable avancer dans combat y a mené pour forcer la justice prononcer sous dossier crime sans pareil ça qui fait soumettre Montferré Dorval n'attendez nouvelle bâtonnière là mettre Marie Suzy Le Gros qui t'est parlé de ça dans micro Vladimir Maurice Ridoy tout le monde est d'accord que ça nous fait yo dans conseil là et que yo d'accord tout pour continuer avec conseil là parce que nous pas sans savoir que si on devait bailler conseil en problème nous t'a capable bailler problème donc c'est une grande joie pour nous que pour tout conseil là pour moi et pour tout conseil là que toute baroua corporation accepter tout travail que n'a fait d'accord donc travail on a fait nous-mêmes mais c'est ensemble c'est au nom de toute corporation que travail là fait parce que c'est toute corporation qui a souffri c'est toute corporation qui est blessée et c'est toute corporation qui a tué les autres tué bâtonnier d'Oval qui ça nous gagner comme point dans l'agenda que vous exécutez pendant le mandat. Bon, l'agenda, j'aime prendre fonction là, je ne pas foutu ni plan, ni programme, pas rien d'autre, parce que c'est le reste programme mettre mon ferie d'Oval là que m'a fini. Seul nouveau point qui vient gagner dans l'agenda aujourd'hui, c'est à faire justice pour bâtonner d'Oval. La bataille, jusqu'à ce que nous venions tout ça nous voulons, pour nous venions auteur intellectuel, complice et exécuteur mettre d'Oval. Ça sont un grand problème lié pour nous. On va pas quitter M. Dorval comme ça. Parce que là où tu es M. Dorval là, ça veut dire que c'est profession, que c'est le droit même que nous avons succès. Donc on va pas quitter défi ça, nous pas lever, il faut assassin ou aller bas. Il y a un message spécial pour avocat en général et la population haïtienne qui croit que sont impératifs pour mettre mon fils de vague une justice pour crime ça par été. Et message m'a baillé et avocat yo, m'a dit yo pas qu'il ait rien influencé. Nous c'est des techniciens, nous fait droit, nous fait procédure. Donc en tant que tel, on travaille nous tout ensemble pour nous arriver jeune ça nous voulons. Nous connaissons toutes facettes yo
nous avons tout ça pour nous faire, donc nous pouvons le faire pour nous joindre. Mais parallèlement, il ne faut que pas oublier que son année judiciaire, il faut que nous travaillions. C'est ça que nous faisons pour nous vivre, c'est ça que nous faisons pour nous vivre, nous travaillons. Nous travaillons, nous continuons le programme de M. là, mais c'est pour nous tout aider, conseiller là tout, dans tout ça nous faisons, dans tout le programme de M. Doval, nous devons toujours participer avec. Que ces commissions, qui viennent faire présentation, que ces conférences, quel que soit ce type d'activité nous faisons, que ces sitting, que ces journées de Doval nous faisons, quel que soit ça nous faisons, nous demandons tout avocat toujours, toujours avec nous, parce que nous-mêmes, premier souci conseil, c'est bien-être avocat et bien avocat satisfaction. Population, moi, ouais que toute population a demandé pour conférer d'Orval jouer une justice. Dans ça, nous retrouvons la population et nous disons, il y a des calmes, même s'il n'y a pas des signes extérieurs, mais nous-mêmes, nous travaillons pour mettre conférer d'Orval jouer une justice. Il y a une idée qui a nécessité pour gagner une commission d'experts indépendants. Jusqu'à cette présente minute, il n'y a pas eu aucune réponse de mon côté exécutif là sous demande ça. Qui ça nous le compte fait par rapport à ça? Et comment nous comprenons ça tout? Nous écrivons une lettre, là bas exécutif là, un délai pour lui répondre. S'il ne va pas répondre, nous faisons d'autres mouvements. Et c'est bien également, pour camper sous lettre, d'aller autre part. Parce que toujours il y a un côté pour cabaler. Il suffit qu'on connaisse côté pour aller ou pour aller et avoir une satisfaction. Donc, et vous pensez que la commission d'enquête là a fini par créer quand même. Voilà, c'est nouvelle bâtonnière là, Maître Marie Suzy Legros, élection faite jeudi, hein, qui t'a parlé comme ça dans le micro, Vladimir Maurice Ridori. L'autre point dans l'actualité, te gen incident pendant l'autre manifestation étudiant qui a été fait encore jeudi, hein, pour demander justice pour étudiant Grégory Saint-Hilaire, alors que pas rien qui bougeait bon côté pouvoir exécutif là, ni dans la justice, contrairement à ça qui était annoncé il y a une semaine. Pourquoi j'en ai un yé qui dit, alors que c'est un dossier qui paraît très facile, puisque c'est agent qui a travaillé pour UAGPN qui tirait sous étudiant dans l'école normale supérieure, et bien pas rien jusqu'à présent. Il y a l'autre fois encore étudiant était dans la rue et pour exiger justice et dénoncer façon dossier ça a traité. Il y a plusieurs incidents qui étaient éclatés dans le cadre de mobilisation, ça, tant qu'il y a un tribunal de paix section sud dans rue d'Henry, en bas la ville qui boulait, il y a une vite machine qui crasait. Pour Pipiti, il y a un citoyen Eric Saint-Cyr qui blessait en bas balle. Eric Saint-Cyr prend balle pendant un backup la police t'a tiré alors que les manifestants qui t'a boué et roche. N'a pas les déclarations, Eric Saint-Cyr qui blessait. Balle là, c'est pas dans balle là tire pour et puis m'a pris tire pour. Je ne veux dire là, nous, ça va passer. Machine a passé le tiré, ou c'est pas pour notre tête, ou pas frapper la tête, et puis moi, ben ça. Est-ce qu'on a fait un tiré, ou est-ce que vous voulez? Je flotte. Est-ce que ce machine va discuter ou bien? Machine va discuter, blanc. Ce bacop qui tire? Qui va copier? Il m'a dit, Simon. J'ai son bacop, Et puis, un gars pour roche, on y a là, il tire. Le tir à moi-même, c'était vendu là, c'était campé, on y a map déplacé pour me descendre plus bas. Il n'y a pas de map descendre plus bas, ça ne va pas plus longtemps. Bon, et puis l'homme gardait mon père. C'est pas ça qui prend balle tout. Il y a l'homme qui prend balle. Voilà, c'est citoyen ça, Eric Saint-Cyr qui blessé
en bas balle la police qui était parlé comme ça pendant manifestation. Quelques employés tribunal section sud là, dès pas première fois, ils subi attaque pendant mouvement protestation ça yo. N'a toujours déploré question affaire bouler quelque l'en soit institution ou bien quelque l'en soit machine. Pour journée jeudi a et pompiers pas arrivé pour empêcher local tribunal la prendre du feu. Employé ça yo dit yo gen en pile dossier important tant que Baptiste ak l'autre dossier et moun et ki boulé et dans flamme du feu ça n'a pas de déclaration. Depuis notre premier commencement nous te vinn là nèg sont yo nerve yo pas de tribunal la vinn là yo pas d'accord tribunal la vinn là commence à talonner chaque jour y a ban nous problème chaque jour mais cependant jodi a dernier fait yo fait on en a prendre la police ni pompiers yo même pas présenté ils sont là dernièrement yo présenté mais difi a gete en sombre ca là tribunal là. Mais est-ce que vous avez des documents? Même prévenu qui était en dedans, yo. Et sauver, yo, y aller. Est-ce que vous avez des documents dans importants que vous perdez? Oui, puis des documents, acte de naissance, bagaille, documents, moun qui est en prison, été arrêté, moun ça qui t'a bouffé à la guerre, moun qui t'a condamné. Donc tout document ça a été brûlé. Et pour me faire suite à ça, pour faire la tienne, c'est pas la première attaque que vous faites, tribunal. Non, tout le temps, après l'attaque. Dernièrement, vous faites attaque. Chance pour nous. La police est intervenue, qui fait attaque là, va arriver dans la dimension qu'elle vient là. Mais je dis à là, attaque qu'elle fait là, montrer à clair qu'elle était une idée déjà. Parce qu'elle n'est pas la première fois à faire. Elle n'est pas venue, puis elle me dit qu'elle est venue au canon en roche. Parce que elle fait diverses attaques. Et je dis à là, elle choisit de faire attaque. Voilà, c'est employé tribunal là qui bouléa et puis situation était compliquée dans zone toujours côté la police ont simaillé gaz pour gayer et manifestation quelques monde dans zone là dénoncer comportement policier yo accusé qui voyait gaz triboy babon et yo dit même monde qui andé dans la caillou ou bien monde qui dans l'hôpital la police n'a pas épargné personne et citoyen ça yo dénoncé Jovenel Moïse. Et yo di ki mette kogan nan la rue pour assassiner population. N'ap tande kek nan yo ki te parle konsa nan mikou. Sa yo yo tombe a terre konsa. Sa yo peche. Ou même si ou personne a yo mbakon nan te na fè moun. Mais sa yo passe limite. Mais que papa n'a pas parlé avec la bio. Papi, ça, vous connaissez vos dames, vous connaissez ça, quoi passer comme ça. Non, mais deux mouns m'ont gardé à coucher à dire mal. Je ne sais pas si vous avez un peu de gaz. Nous va connecter dans là, ça n'est pas la police qui a fait des autres ça. Voilà, c'est comme ça je dis l'autre journée manifestation concernant dossier étudiant Grégory Saint-Hilaire. Faut que nous dise contrairement à la promesse autorité dans tête l'état te fait, il te prend dossier en main n'a parlé de paquet Port-au-Prince avec mini justice non. Une semaine après, nada. On continue journal là, on apprend nèg exam kidnappé deux marchands de Malérez, marché Hippolyte, ça passé mercredi et pendant yo tap sorti dans activité business dans marché, information nous joine nan main youn nan marchand nan marché ça même, fait nous connaître ces trois moun qui étaient dans machine. Et bandi yo mette youn la dan yo a te et puis la li ak de les autres. Pourquoi li la yo di y a négocié a kidnapper yo pour konnen ki jan y a capable rive jwenn libération de mesdames sa yo et jodi a même
nous apprendre parents moun sa yo gen tan pote kòb yo te mande a aller et puis moun sa yo yo ta gen yo ta ka peut-être jwenn libération après-midi a d'après ça yon commerçant nan marché Hippolyte fè konnè ça vinn confirmer c'est toute catégorie et qui a subi en bazak violence insécurité craponnage intimidation dans société haïtienne nan, nan indifférence totale pouvoir l'état on retourne dans commune Kafou ak Jude Edouard Pierre après un temps silence li paraît yon communiqué mais ça le dit conseil municipal là a présenté excuse li bay population pour manquement service voirie dans quelques zones ça qui fait en pile côté dans ville là nous ka remarqué fatra pas ramassé gens ça té kon fait depuis 4 l'année passée yo situation ça produit à cause difficulté si la yo administration a fait face depuis quelques temps en cours li di pa genye yon côté yon site déchets nan Kafou pour mettre fatra espace kishita et sou rail la li pa d'aplomb pour ça et c'est toujours yon difficulté pour camion yo traverser Matisan chaque jour pour y jeter fatra nan cité soleil nan insécurité ak blocus zafè gestion fatra nan zone métropolitaine nan pa capable jwenn solution tout bon vrai sans yon usine traitement déchets et cap non seulement et valoriser déchets créer richesse mais tout capable permettre mairie prendre bon jan mesure et pour chaque lacayo capable contribuer dans payer une redevance dans budget l'état et projet si là ta doit paraître clair et sous compte blococ dit sous compte clairose bon chaque zone gen proverbe pa yo bon lacay pa moins c'est clair sous compte blococ et problème l'argent pour faire gaz à réparer 19 matériels qui tombaient en panne depuis boîte de masse qui sont passés là sont l'autre encore maladie covid 19 l'a frappé fort finance mairie pendant que l'état central là pour comprendre bon gens mesure pour aider administration communale là redémarrer et bayo une compensation sous recette qui vient baisser bien bas employé yo pas recevoir salaire depuis 8 mois période transition li dit qu'il ouvrien ak fin mandat élu dans municipalité yo la cause yon instabilité politique selon Jude Edouard Pierre qui en bas pression yon série de PHT kis dans commune qui quoi le pas arrivé pour monter dans tête commune nan comme agent exécutif intérimaire fait plusieurs manifestations dans sens ça mais tout li démobiliser partisans tout qui te fait manifestation pour demander pour pas quitter mairie. Donc son véritable bataille qui gagne dans commune Kafoua pour question pour ça. Alors il dit tout et oui gain instabilité politique à cause mandat élu qui finit et il relé ça en transition qui l'ouvre et il dit ça pas sans conséquence sous finance mairie. Conseil là abgoumé pour porter amélioration non problème ça yo pressé pour le cas continuer bail service comme ça doit. N'a profité rappeler population que c'est graisse cochon qui toujours cuit li nan sans ça n'a invité tout le monde à payer impôt à taxe nou yo nan centre impôt Kafoua DGI nan commencement nouveau exercice fiscal 2020-2021 yon manière pour nous éviter payer en di plus puis devant et puis rider administration joindre ressources nécessaires pour remplir mission comme ça doit n'a profité souhaiter tout le monde une bonne année fiscale. Alors, qui est-ce qui signe pour conseil là? C'est Jude Edouard Pierre qui signe magistrat principal. Mais nous connaissons, bon. Et pas même dit ça souvent dans le micro parce que l'autre dit ça au sens de barrer pied ou bien capable de dire. Et Jude Edouard Pierre, c'est mon nom. Il connaît comme faire discussion avec sous ça. Et c'est agent exécutif intérimaire. Il est pourquoi il est là? N'attendez pas dans le micro, Villeneuve, sous difficulté la rencontrer. Je vous demande de vous montrer difficile l'administration parce que nous avons arrivé à ramasser Fatra, qui est le principal objectif que nous avons fixé tête nous au cours de la dernière élection. Nous avons pris tête de Kafou, nous avons regardé les zones à préponse, nous avons regardé Kafou, pour nous arrêter que nous avons continué à jeter Fatra. Si sous la tour, nous avons un dépotoir, par une capacité, nous avons un matériel en gel, on a mis un petit bulldozer, tout a intervenu sur Sitsa, d'autant plus que Sitsa paradoué là parce qu'il y a un pile de problèmes que nous toujours pas accepté qu'il y en bas. Mais l'on connaît la situation Kafou,
pour pouvoir faire tracas, faut pas jeter dans le décharge de soleil là, avec problème blocus sur ce matin, et sur le matin, donc on va casser le chinois. Je dis à ma situation, pour que 15-22 jours, moi vraiment en détresse, et ma présenté excuse-moi, mais mon carrefour, pour ça, ouais, dans la rue, pendant 15 derniers jours, ça y est. Mais je voulais renouveler, ok, moi, je après de faire un bon il y a toujours, et bon, fini, samedi, on finit, on va redoubler d'efforts pour moi, faire nettoyage, et demander une meilleure collaboration. Le problème, c'est que je n'ai pas décidé de ça. Le deuxième problème, c'est que mes 18 matériels qui n'ont pas de la pile, les cas sont perdus pour 70% de recettes pour l'exercice fiscal suite à la maladie Covid, parce que généralement, c'est au cours du mois de mars. Avril mai que mes rios fait collecte taxes sur impôts. Pendant 4 ans, on a tête mes rios et aujourd'hui, on va faire face à la situation, ça y est, mais c'est des situations qui sont arrivées, moyen au côté où tu es sorti. Moyen de sortir dans mes rios parce que au fait, oui, cette mes rios, tu connais plus ou moins, tu viens à plus, tu conjoint, par exemple, de mon coopération avec le Lamantin, tu connais dans matériel, moi, tu recevoir 5 matériels et la main président, dans le cadre de la caravane, tu es en pile, mais il est fou. Le matériel ça a depuis 2 ans, monsieur Voyoua, et je dis à la yon pas de deux qui boulaient. Et puis je dis à la situation de que même Fatra qui ne peut pas ramasser. Effectivement, c'est un mec à bon coup, mais je dis avec SNGRS, moi j'étais appelé, et puis nous écoutons, moi j'étais en réunion hier pour cette administration avec SNGRS, et notre rencontre avec le ministre Finance, le ministre PTC, le ministre Environnement, pour nous dire la situation Carrefour là, et garder que ça a fait. Je dis à la fois, c'est pour notre budget, vous mettez l'argent pour construire une usine de valorisation des déchets, de transformation des déchets. Parce que Fatra, je dis, il n'y a pas qu'à menace. C'est opportunité liée pour créer une richesse, pour un emploi. Voilà, Jude-Edouard Pierre, après un bon temps de silence dans tête de la commune Carrefour, tu parles comme ça. Dans le micro, Vilner Joseph. N'a pas retourné dans l'actualité internationale long à ce qui a passé dans le pays États-Unis. Trump vle pour tout le monde connaît les vaillants, maladie pas qu'à mettre la terre. Et quoi, il est là, monsieur, a perdu patience, il doit reprendre campagne déjà. Donald Trump qui en difficulté, cependant, à 25 jours avant l'élection, et tenté, je ne veux dire, pour afficher son nom vaillant. Et il est capable même de faire un marathon radiophonique. Et une semaine seulement après, il était à l'hôpital à cause de COVID-19. Là. Mais ça paraît tirer doute qui gagnait sur capacité réelle pour le capable reprendre route pour aller faire meeting quand Jean que dit là. Facton dit pendant ce temps Joe Biden selon sondage toujours mené et pendant que président Powell il toujours été fermé dans Maison Blanche même s'il a parlé autant d'elle ou bien fait vidéo depuis sorti l'hôpital là lundi. Président participé dans un meeting radiophonique, je dis c'est ça journaliste estimé. En réalité, c'était une interview mais fleuve pendant 2 heures de temps sans que y ait pas qu'à camper avec Rush Limburg qui c'est une figure conservatrice dans les médias américains qui au passage plusieurs fois fait louange pour beau Jean bilan et Trump dans tête en pays. Nous avons un remède pour guérir coronavirus d'après ça le déclaré. Bon, il disait lui-même qui fait remettre ça même. C'est parce que essayer le sous lit qui fait remettre là bon. Et plusieurs fois, remède ça a coûté $100,000. Il dit que remède expérimental ça que scientifique yo balien et permettent une fois que li même li prête pour le bali de façon gratis la fait promotion pour lui. Il dit pas en forme, c'est vrai mais médicaments ça tellement bon. Moi ça tu me vient même on vend rien sur moi. Je suis rajeuni même de 20 ans et ça te dit premier jour. Nous même éliminer virus. Et sa président qui est 74 ans sous tête, il dit, vous voyez, il te dit, mon cas, éliminer le virus avec de l'eau javel. Et donc, il laissait plusieurs fois cependant montrer, il frustré quand même le fait que le virus a fait que le PACA continue et a monté des descendre dans tout pays États-Unis pour la faire campagne. Donc, le message dans le clair, ça l'est pour tout le monde, il a fait que il était malade, il n'a pas le temps de parler de ça encore. C'est un chapitre qui viré dans l'histoire. Et voile paraît plus clair, je dis que hier, parce que hier, voile était en haut, président était semblé souffler haut, et plusieurs fois, il était campé en bas toussé, et dans la première interview, dans le téléphone, il était bas sur Fox News. Et je dis, il a gagné pour faire l'autre marathon encore, fois ça, à ce qu'il apparaît dans la télévision, et côté que, depuis qu'il a fait test positif coronavirus, il a gagné une semaine, c'est la première fois qu'il a gagné une interview.
toujours dans la même chaîne conservatrice, parce qu'elle n'est pas mêlée à l'autre, elle est au fake news. Depuis les journalistes qui peuvent poser la question, il va mêler avec eux. À ce moment-là, même, il peut le faire, il peut le passer, examen, cahier docteur, dans la télévision. Un docteur qui a une chronique dans la télévision, ça peut le poser la question, et il a déjà annoncé ça sur compte Twitter, quand il peut le prouver qu'il est guéri. Mais malgré la dépatienté, il y a pile question qui toujours a posé, plus l'a insisté pour faire qu'on est déjà guéri, c'est plus qu'un doute. Et Donald Trump dit que il voulait pour faire un vrai meeting. Et lui-même, même, demain soir, par exemple, en Floride. Mais jusqu'à présent, Maison Blanche n'a pas confirmé. Maison Blanche parlait de difficultés logistiques pour meeting dans la fête demain soir. Et même doute l'entour, sur l'autre rassemblement qui a été fait en Pennsylvanie, lundi, dans tous les deux cas, c'est des états clés qui peuvent jouer un rôle déterminant dans la victoire pour l'élection 2020, même genre pour 2016. Et côté que le débat télévisé 15 octobre, là, toujours en suspens, puisque la commission dit c'est virtuel pour le tailler, parce qu'il n'y a pas fait Trump confiance, qu'il est totalement guéri, par précaution pour tout le monde qui est impliqué dans la question. Ça, lui-même, il préfère pas faire, d'après ça, il dit, pour ne pas bailler Joe Biden, PI. Il prête pour le sortir depuis médecin bal feu vert. Mais est-ce que médecin bal feu vert? Parce que médecin qui a écrit à pour lui dit président dit lui en forme. C'est président qui dit lui en forme. Et pas docteur, non? Et pas deux critiques, non? Docteur, il y a un caché de Kounia. Non, Mahon, il est tellement à critiquer. Pour parler, quel est McNanny sous Fox News, fait dit depuis docteur bal feu vert, président a sorti. Médecin Maison Blanche, il est dans la courri, si nous connaissons, tellement à critiquer. Et il dit que l'acton, il pense que le président capable de reprendre l'activité publique sans aucun danger, entre guillemets, à partir de demain samedi. Mais il y a une question à poser pour voir quel monde qui a répondu. Donald Trump, qui pensait que il n'a pas contaminé personne encore, il guérit. Est-ce qu'il passait un test qui dit que le négatif depuis qu'il était sorti de l'hôpital? Ni docteur n'a pas répondu, ni Maison Blanche n'a pas répondu à la question. Ça, il ne sait quoi, peut-être il est capable de faire test ça, je veux dire. En face, adversaire lui-même, li gagne gasoline dans machine ni, l'a psigué. Et il rencontre électeur, n'a parlé de Biden, qui li rele dambalawedo, quoi liquide, alors que rassemblement yo a fait avec un pile précaution. Biden dit pas jouer à virus dans lui-même, et il prend précaution ni, démocrate yo, et yo remette en question, et kounye la sur la place publique, capacité, trop pour diriger. Et c'est ça que fait Nancy Pelosi évoqué, 25e amendement. Il dit, peuple américain a le droit pour connaître le monde qui a dirigé. Est-ce que le tête dit bien? Est-ce que c'est le monde qui est capable de diriger? Donc, chef démocrate dans la Chambre représentante, Nancy Pelosi, propose journée aujourd'hui pour créer une commission pour aller évaluer la capacité du président américain pour gouverner. Mais il ne connaît pas qu'à rencontrer Trump. Donc, l'abgayen pour soumettre en question ça, pour entrer dans le débat. D'après ça, démocrate, il fait connaître. Mais il dit qu'on ne s'est pas occupé Nancy la folle. Ce n'est pas pour rien. Il a dit les locaux, d'après ça. D'après ça, le président a déclaré. Monsieur, c'est extraordinaire ce qui a passé dans le pays États-Unis avec Trump. Et Biden, désormais, a 10 points d'avance dans le dernier sondage. Et qui montrait que démocrate, il a mené dans l'intention de vote. Le niveau est à clé pour l'élection. Il continue à mener campagne selon Jean Lier, puisque c'est Joe Landormi, c'est contre le président Rebel. Il dit son homme qui caché dans le sous-sol, qui a fait campagne, alors que il son nègre vaillant. Il même c'est pour aller rencontrer avec l'électeur. Et je dis, pendant ce temps-là, il ferme dans la Maison Blanche, non, mais Biden est dans Nevada. Et il fait connaître, et seul message Donald Trump, il dit il échoué dans la question pandémie, coronavirus. Non? Chaque jour, il y a un paquet de monde qui continue à mourir dans le pays États-Unis. Ancien vice-président démocrate, non, pas été dans le débat et question délicate ça. Il dit d'ailleurs son président qui changeait et parole chaque seconde, pas capable de perdre du temps, m'a commenté ça, l'a dit, d'après ça, le fait qu'on est. Et il critique démocrate, pas augmenter juge, et qui fait que je ne veux dire qui n'ont mon pile juge. Ça, démocrate, pas tellement répondre sous critique ça, qui est vrai. Et pendant que l'Iben a augmenté le nombre de conservateurs, le tribunal fédéral, dans la Cour suprême. La folle de camper. Tranche journal ça, c'est Autoplaza, avec l'unité des 5 continents.